Votre divertissement avec le Grand Cabaret Hauts-de-France. Sur un air d'accordéon, dans toutes les régions, toujours la même chanson, pour les filles, les garçons, dans tous les yeux on peut lire tout ce qu'ils voudraient se dire, mais leur voix à l'unisson, sur un Eh bien bonjour les amis, bienvenue au Grand Cabaret d'Auberga. C'est encore une émission nouvelle pour vous, avec quelqu'un qui nous vient d'une région, c'est un temple de l'accordéon. Son nez là-bas, aimable, Maurice Larchange et bien d'autres, Dorothée Loire de la région de Valenciennes, qui nous interprète le passo du bal Musette. Le joli Dorothée, formidable, on la retrouve tout à l'heure évidemment. Alors, un accordéoniste que j'accueille pour la première fois, il nous vient du Lot, c'est un élève de Ginette Lafargue que je salue, ma copine Ginette, et il va nous interpréter un grand succès dans la musique inie, Tic Tac Polka, Laurent Segui, sous vos applaudissements.
Merci Laurent. Laurent Segui vient du Lot. Allez, on va retrouver la mignonne Dorothée Loire qui va nous ensoleiller les cœurs. Elle nous emmène en Corse. Ah oui, avec la tarentelle de Porticcio. On est juste à côté d'Ajaccio. Allez, c'est parti, la tarentelle Dorothée Loire. Merci Dorothée, c'est bien. On quitte la Corse, on revient au Grand Cabaret du Vieux-Berquin. Et là, c'est la séquence donc de cette mélodie que je vous interprète, les chansons à la carte. Alors, une nouveauté, j'ai écrit ça spécialement pour tous les marcheurs. Ça s'appelle, on y va tout simplement, ça marche. C'est une nouvelle marche, évidemment, pour vous, les amis. Chansons à la carte, chansons à la carte, demandez les chansons à la carte. Bye.
Voilà, c'est nouveau, ça s'appelle Ça marche. J'espère que ça vous a plu, c'est une nouveauté de mon dernier album. Alors, on va retrouver un duo maintenant, duo bandoneon et violon. Les Malevitch, on les appelle Patrick et Tony Malevitch, avec une composition de Patrick d'ailleurs qui s'appelle Fleur de fougère. C'est un tango, les amis. Bravo, moi j'aime bien. Hein. Ah ouais, oui. Ils ont du goût, les Polonais. Le père et le fils, Patrick et Tony Malevitch, sur ce superbe tango. Alors, maintenant, eh bien, c'est l'humoriste que nous allons retrouver. L'humoriste des Hauts-de-France. Il s'appelle Nénès, vous voyez. Alors, on l'a eu souvent dans les émissions. Et là, il a fait un nouveau sketch qui s'appelle Nénès à Paris. Allez, on l'accueille sous vos applaudissements. Ah, quand même. Ah, bah, rien, ça fait du bien de vous retrouver. Hein. Parce que rien que pour vous autres, j'en reviens de fort loin, vous savez. J'en reviens de Paris. Vous connaissez Paris ? Figurez-vous que mon oncle, vous connaissez mon oncle, l'homme à ma tante, il s'est fait élire président du comité des fêtes au village. Alors, il a venu me voir pour me demander si que je serais d'accord pour aller faire un tiers-pérage. Ah ben, j'ai dit d'accord, mon oncle. Duché, il me dit, je suis à Paris. Oh ben, je dis tout de suite, Paris, go. Je ravise autour et demi, je vois un restaurant, messieurs, dames. Au rendez-vous des gens du Nord. Oh ben, je dis, j'ai bon, mais... Je traversais la rue et je ravisais le programme menu spécial nordiste. En entrée de la soupe à l'andoule. Ma régale. Après, de la ratatouille à couane avec des haricots. Ma régale. Et un dessert, un tartinelle graisse avec un échalote trempé dans un tasse de café. Ma régale. Je m'assis, je commande. Le garçon, il arrive avec l'assiette de soupe pleine à ras-bord. Il le pose sur le table. Je ravise, il avoue 5 pouces dans le soupe. Et je dis, dis donc, qu'il a espèce de crapi, grosse noire gueule, là. Ah, mais je suis comme ça, ma golère. Hein. J'ai juste demandé de la soupe à l'andoule, fuis pas de la soupe aux Parisiens. Ah non, monsieur, excusez-moi, mais en ce moment, c'est pas de ma faute, c'est un petit peu tout franc.
Dites, elle ne peut pas reprendre plus fort parce que c'est des vues d'Alsal, ils ont un... Avec madame, elle atteint bien, mais au premier rang. Hein. Madame, elle est là, le glousse, on dirait une glaine qu'elle va. Hein. Petite chérie d'amour, elle a bien fait de venir. Oh, puis le décolleté, décolle. Oh, oh, je n'ai mal à mes yeux, j'ai hâte de le buer plein mes lunettes, comme avec ma Max ici. Mais... Donc, je dis, quoi que t'as. Il dit, je suis un petit peu souffrant. Je dis, t'es malade. Et quoi que t'as comme maladie. Il dit, j'attrape un petit panari à mon pouce. Je dis, quoi qu'elle dit. Je dis, j'attrape un petit panari à mon pouce. Ben, et alors ? Ah ben alors, le docteur, il m'a conseillé que pour le guérir, je devais le tenir au chaud. Ben, j'ai dit, écoute, maloute, si tu veux te le tenir au chaud, ta canarie, comme t'es dit, t'as qu'à te le boire quelque part, il sera bien. Ah ben oui, qui, c'est ce que je fais, mais entre deux, faut servir, hein. Hey, au matin, Jean, vous le volez, les gars, hein. Alors donc, hey, vous me connaissez, je suis un bon fumier, mais là, j'étais plus fort que mi. Le rage m'a monté. Je l'attrapais, j'ai claqué ce gamelle sur le mur, j'ai foutu un de volet, j'ai remis le paletot, le capio, je me suis garrotté dans le porte. J'ai pas été loin. À peine passé le porte, poum, la typoque, j'ai rebondi sur un espèce de grand black. Poum, j'ai rebondi sur Saint-Math. Je pars en arrière, je tombe à plat cul, j'enlève une tête, il ouvre ça par-dessus. Non, madame. Oh, enfin, hey, rien que le but vicieux ici. C'est pas ça, ma chérie, je recommence. Poum, il ouvre ça par-dessus. Vous auriez vu tous les vieux petits trucs qu'il y a volant dedans, en train de barloquer. Accrochat de doubleur. Des bagues, des colliers, des montées, des bracelets. Si, si, c'est toi un black qui faisait du marché noir. Il voulait me vendre un bijou souvenir pour une femme, Graziello. Elle n'a pas besoin de bijoux, les gens, ils disent qu'avec Mie, elle est servie déjà, parce qu'elles disent toutes, Nénès, ton époux, c'est une perle. T'as de la chance, t'as un mari en or. Eh ben, j'y fais quand même des cadeaux de bijoux. L'année passée, par exemple, pour la journée de la femme, j'ai payé une belle montre de plongée pour faire à la vaisselle. Et puis, c'est pas tout. À Noël, à Saint-Noël, j'ai fait cadeau d'une belle bague avec des pierres précieuses dessus, une bague avec un gros satyre d'un demi-hue, puis tout plein de petites émeraudes tout le tour. Et le plus beau cadeau que j'ai fait, c'est Assassin, c'est fort dur à dire ça, Assassin, Assassin Valentin. Assassin Valentin, je lui ai fait le cadeau Super Love d'amour. I love you, my love, with you in the bed, all the day, all the night, 13h45, les feux de l'amour sur TF1. Je lui ai offert un bio petit stérilé. En or. Si, 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 un stérilé en or. Nénès à Graziella, il a fait mettre un stérilé en or comme ça de pistolet, Nénès. Il a toujours l'impression de rattraper son argent. Alors, j'étais en train de faire comprendre ça à Tom qui est tout là. Il comprend nos reins. Et... Alors, pour l'aider, comme on dit maintenant, à saisir le concept de la chose subjective que j'étais en train de lui décrire, je vais déballer les bijoux de famille. Ah ben, tout de suite. C'est ça, il me semble qu'on s'est déjà rencontré quelque part, nous autres. Hein? Enfin bref, j'ai déballé les bijoux de famille. Et ben lui, il a pas fait houhouhou. Non, c'est le police qu'elle m'a rattrapé. Elle m'a sauté dessus et ils m'ont enfermé pour attentat à la pudeur. Et voilà comment, messieurs, dames, que pour une histoire de bijoux, je me suis retrouvé avec les bracelets. Bijoux, bracelets. Qui est des orfèvres. Allez, à la prochaine. Merci Nénès. Ah, c'est un nouveau sketch qu'il a écrit spécialement pour cette émission. Ah oui, il est dans une forme extraordinaire. Alors, dans quelques instants, je vais ouvrir mon magasin. D'abord, je salue la Spedidam, qui est partenaire avec nous dans cette émission. Et puis, j'ouvre le magasin. Alors, dans le magasin, j'ai Dorothée Loire, Séduction Musette. J'ai Laurent Segui, avec Gypsy Swing. Patrick Malevitch, avec son bandoneon et son fils, évidemment. Le nouvel album de Nénès, Régalez-vous. Et puis la chanson à la carte, c'est dans ce nouvel album qui s'appelle Top Départ ou Les Jeunesses. Ça existe aussi sur la clé USB, évidemment. Voilà, il vous manque un renseignement ? Eh bien, tout simplement, vous consultez le catalogue Disque Ambiance. Voici l'adresse pour le recevoir gratuitement. Sur un air d'accordéon. Vous avez bien noté ? Parfait. N'oubliez pas le petit rendez-vous par ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, Michel Pruvot officiel. On retrouve, sans plus attendre, Laurent Segui, encore avec une composition d'Alain Musichini, La Dame de Rochefort. C'est une valse. «
Notez bien son nom, Laurent Segui du Lot. C'est la première fois qu'on l'accueille dans cette émission. Ben oui, c'est fini, ça va vite, hein, 27 minutes de bonheur, mais c'est terminé. À très très vite, salut.